Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 63e épisode de ce Let's Die Ravenhearst où on est jour de Horde déjà. 28e jour. Mais salut XK. Alors on avait déjà préparé tout renforcé ici en briques, donc normalement là l'ordre ça devrait bien se passer. Je m'étais fait la réflexion que ce bâton, j'avais pas mis de mode dessus. Quelle raison, je ne sais plus. Peut-être parce que j'avais pas tellement de mode à mettre. Parce que j'avais pété un mode déjà. Et deuxième réflexion, où est-ce que j'ai foutu J'avais que ça en mode munitions. Ouais. J'avais pas. Où est-ce que j'ai foutu mon autre arme? Pas là-dedans. Voilà. Là, il me restait plus rien. Là, c'est tous les kits de réparation. C'était vide, vide, vide. Toute la bouffe était là. J'avais une batte de baseball. Presque morte, mais j'avais une batte de baseball. Du fossoyeur, ça je pourrais le mettre sur la pelle. Ça aiderait. Ah, elle est là. Modifier. Modifier, d'ailleurs toi, modifier, et toi, ranger. Ok. Bonjour. Ah oui, quand même. Oui, c'est efficace. Aïe. Ça évite pas de se prendre des baffes. Mais c'est efficace. Combien ça faisait? 33 à 35. Ah oui. Ah oui, on est bien. Non, y a pas de mama avec ce cas. Cette mama-là, elle est tombée. Et j'en étais à devoir tuer plein de zombies avec ce bâton. Mais tu tombes bien. Qui râle comme ça. Le bûcheron? T'as pas honte de râler comme ça? Voilà, tu râles plus. Lui aussi. Ce serait bien que je désactive l'aperçu pour avoir un peu plus de FPS. C'est pas glorieux là les fesses. Aïe. Résultat, je me prends des beignes. Non, hé, laisse ma maison tranquille, toi.
Encore en train de tout casser ici. Pas ici. Je pense que c'était toi. Bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, du coup, en prévision de cette heure d'ailleurs, qui sera peut-être bien la dernière, parce que, franchement, vous n'êtes pas nombreux à regarder ça, que ce soit en live ou que ce soit sur YouTube. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien le mod, mais c'est vrai que si je suis le seul à l'aimer, c'est pas... C'est pas forcément le plus fun. Ah! Mais bon, on va le faire sérieusement jusqu'au bout quand même. Faim et soif, ça va. Bientôt un point. J'étais où en point? J'en avais plus. J'en avais plus. Est-ce que j'avais des missions? J'avais une récupération élimination en 2 à 437 mètres. Ouais, ça pourrait être... un bon truc pour se mettre en jambe avant une horde. Mètres. Pas de géant vert non plus, tiens. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un géant vert. Déjà la dernière fois j'en ai pas vu. Tu veux qu'on descende? Et ben on va descendre. Ok, toi t'es juste tombé en sortant ou tu cours? Juste tombé en sortant. Tout va bien. Voilà, tu tomberas plus. À manger au passage. Ah, j'ai pas pensé à mettre mes lunettes de loot. Sont très efficaces pour les placards vides. Maintenant, je suis déjà en train de m'alourdir. Et je suis en train de récupérer un truc dont je veux pas. Mais
sac à dos, au cas où j'ai un sac à dos. Alors la sacoche sera en haut. L'atelier de chimie, ça peut valoir le coup, ouais. Un sac pour un sac. Ça oui par contre. Un peu peur dehors. On va finir par rentrer, je sais pas combien ils sont. Ah bah. Tu cries bizarrement quand même. Ça coche est encore plus haut. Je sais pas pourquoi je sens le chien. Que vous montez. Ah, toi tu montes. Toi tu faisais partie de la quête. Aussi. Tu faisais partie de la quête. Ça, je prends au cas où. Ah oui. Ah oui. Ferme derrière toi. J'ai raté dans la pièce à côté. Ouais. Ah. Oui, j'ai raté ici. Et le loot. Et où sont mes flèches? Ils sont là. Où est sa tête? Plus bas. Et là.
fouille. Sale bête. Oh, un petit 9 mm. Qui va pas durer longtemps, mais pour une horde, c'est bien. Et on peut retourner voir le marchand. Et j'ai pas mis mes lunettes. Fais ça d'abord. Bah oui. Surtout pour ça, dis donc. Ça aurait été trop bête. Un vieux pansement dégueulasse. Passer les nuages de cendres pour trouver plus rapidement des survivants. D'accord. 234 la batte. Ouais, c'est correct. Et on a pris un point. Tout à l'heure. Là, on est super lourd. Pardon. On est super lourd. Et ça va pas en s'arrangeant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut recycler ça. On peut manger ça. On pourrait boire ça. Ça, ça vaut que dalle. On va le recycler. Le reste. Ouais. Bonjour, messieurs, dames. Je voulais pas déranger, hein. Non, je suis de l'autre côté. Madame ? Voilà, j'étais par là. Ça, on prend quand même. C'est du cuir, c'est bien le cuir. Ça aussi, on va revendre au marchand direct. J'aurais dû reprendre mes lunettes. Le reste, c'est bon. Café et bouffe. Il y a des chances que j'ai déjà. Que je puisse le consommer sur place. Comme ça, ça peut se recycler. Au final, ça plutôt. Voilà.
Où est mon vélo? Il part là. Yeah! Je suis lourd! C'est pas le moment de rencontrer un gros monsieur couvert. Mais ça va. Brouillard qui se lève. Pas de gros tout vert. Allez, viens. Évidemment, si au moment où je veux te tirer dessus, tu t'en vas, ça m'aide pas. La petite marche arrière. Et on est parti. Alors, bonjour. Un fusil de chasse tout pourri. Enfin, tout pourri, non, il est pas tout pourri. Enfin, si, c'est un 108. J'ai chopé un 12. Ah. Ouais, paquet piège, comme on a une horde ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut te vendre? Vendre celui-là. Là, je vais le garder pour le faire ce soir. Là, j'hésite. Non, le reste, il n'y avait rien que je voulais te vendre particulièrement. Si, ça. Ouais, c'est bien. Allez, je te prends une quête. Une récupération sud-ouest? Ouais. Embaucher un NPC pour la horde, ouais, j'y pensais, mais il faudrait que j'en trouve un. C'est vrai que ce serait pas mal un NPC pour la horde. Où est-ce que j'ai le plus de chances d'en trouver? Dans la nature ou en ville?
À côté de l'ISIA. Côté l'ISEA peut-être, ouais. Non, peut-être pas. Ah zut, il était là-bas, Isa. Ou à côté du camp militaire. De l'aérodrome, plutôt. L'aéroport qui s'appelle quand même Auschwitz Airline. Ah ben voilà. En voilà un. NPC de Isea, ils vont pas me comprendre, ils parlent suédois. Ouais. Celui-là, il va me comprendre, il parle avion. Détente, détente, cours pas. Et... accepte. Je t'ai payé ou pas du coup? Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.